Bienvenue dans cette méditation guidée qui a pour objectif d'amorcer le changement dans votre vie. Grâce à votre pouvoir d'imagination, vous allez entrer dans votre espace intérieur, votre jardin secret, pour y découvrir vos richesses, les faire rayonner en vous et à l'extérieur de vous. Vous souhaitez entamer un processus de transformation personnelle? La méditation de saison va vous permettre de vous connecter à vos potentiels et de les inscrire dans le cycle de la nature. La méditation débutera par le son du bol tibétain et se terminera par le même son. Avant de démarrer, assurez-vous d'être bien installé et de ne pas être dérangé. Prenez une grande inspiration et expiration. Fermez vos yeux. Prenez conscience de votre poitrine qui se soulève à chaque inspiration. Le mouvement de haut, de bas, berce tranquillement. Ce mouvement de va-et-vient vous permet d'entrer petit à petit dans un état de conscience relié au sentiment de paix. Focalisez votre attention sur votre corps, sur votre poitrine qui monte et qui descend. Petit à petit, vous ressentez une détente. Au besoin, changez de position pour être plus confortable. Les poings se desserrent, le cou se détend. Vous vous sentez à la fois lourd là où vous êtes installé et plus léger à l'intérieur. Continuez à vous focaliser sur le mouvement de votre poitrine, de votre respiration. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr bâiller. La détente continue sa descente et arrive au niveau de votre ventre. Si des pensées arrivent, ce n'est pas grave. Ne focalisez pas dessus. Imaginez que ce sont juste des nuages qui se laissent porter par le vent.
la détente arrive au niveau de vos hanches. De vos cuisses. De vos genoux. Si des micro-mouvements apparaissent, c'est normal. Votre corps se met en état de détente. En continuant à observer de manière détachée votre poitrine qui monte et qui descend. Ressentez la détente qui arrive au niveau de vos jambes, de vos mollets et de vos pieds. Focalisez-vous sur vos yeux qui sont fermés, sur vos paupières. À chaque inspiration et expiration, conscientisez vos paupières comme de légers papillons qui reposent sur vos joues. Vos paupières sont de plus en plus détendues. Et cette détente se propage à votre visage. Votre front. Comme s'il devenait plus lisse. À vos joues. À votre mâchoire, à vos oreilles, à chaque fois que vous portez une attention consciente de détente sur une partie de votre visage, c'est comme si les soucis se glissait et disparaissait, car ce moment de méditation, de visualisation créatrice, vous appartient et ne tolère en aucune façon distraction du mental et des pensées. Maintenant que votre corps, votre tête sont détendus, vous pouvez prendre, si vous le souhaitez, une grande inspiration. Voilà maintenant prêt à utiliser votre pouvoir créateur d'imagination. Laissez-vous porter par ma voix. Mais si vous ne voyez pas ce que je suggère, ce n'est pas grave. Faites-vous confiance. C'est vous qui savez pour vous. Vous arrivez dans une clairière. Vous regardez votre environnement, les arbres
l'herbe, le ciel. Vous observez également vos mains. Elles brillent d'une lueur réchauffante. Vous apercevez alors que tout votre corps brille de cette même lueur. C'est comme si vous étiez recouvert d'une couche de lumière. Cette lumière pétille. Cette lumière est vivante. C'est votre protection naturelle. C'est la part de vous, puissante, sage et aimante, qui vous accompagne à chaque instant. Avec cette lumière, vous vous sentez serein, calme, mais également vif d'esprit, d'intelligence et plein d'énergie. Vous pouvez prendre le temps d'observer cette lumière qui vous accompagne à chacun de vos mouvements, sur vos bras, sur vos jambes, et ressentir son délicat pétillement sur votre peau. Maintenant, continuez d'observer la clairière. Vous apercevez, pendu à une branche, un beau manteau blanc, délicat, comme un édredon de plumes, moelleux. Vous avez envie de sentir sa douceur. Vous mettez donc ce manteau blanc. Il vous tient chaud, c'est agréable. Et vous vous rendez compte alors que la clairière commence à être enneigée. Quelques flocons de neige tombent. Plus vous avancez, plus les arbres autour de vous, les sapins, se recouvre de neige. C'est l'hiver. Vous êtes bien dans votre manteau, il vous tient chaud. Les flocons tombent, vous pouvez même avoir envie de les goûter. Vous entendez le bruit de vos pas qui crissent sur la neige. Vous savez que tout ce blanc est symbole de pureté. Dans cet espace intérieur, son action est de purifier vos pensées, de permettre à votre conscience
de se connecter à ce qui est le plus pur en vous, à ce qui exprime vraiment votre être véritable. Assis au milieu de la clairière, bien au chaud dans votre manteau blanc, observant ce paysage d'hiver, prenez le temps de ressentir ce sentiment de calme, de paix, mais aussi de connaissance, de sagesse. Peut-être allez-vous avoir un message ou tout simplement sentir dans votre corps un sentiment, une émotion, une détente. Prenez une grande inspiration. Cette inspiration permet d'intégrer votre sagesse intérieure qui sait toujours ce qui est bon pour vous. Cette sagesse qui brille en vous, vous réchauffe. Elle vous réchauffe tellement que le manteau blanc n'est plus nécessaire. Vous levez, vous le retirez et observez que la neige a disparu et a laissé place à une prairie fleurie. De toutes petites fleurs multicolores, rose, violette, jaune. C'est l'effervescence du printemps, la nature butine, les bourgeons s'épanouissent, les rayons de soleil réchauffe et réveille tout. Ce sentiment de joie, de volonté, vous pousse à vous lever et à avancer, plein d'énergie. Vous pouvez même courir dans cette clairière si vous le souhaitez. Tout ça symbolise les trésors qui sont en vous et qui ne demandent qu'à s'épanouir, à fleurir. Avec l'hiver, vous êtes allé les retrouver. Avec le printemps, vous vous autorisez à agir, votre être s'est reconnecté avec ses plus profondes aspirations. Maintenant, il est temps de faire. Le printemps vous donne cette énergie. Énergie d'accomplir, de mettre en place, de démarrer, d'effectuer
de projets, des actions qui sont en pleine adéquation avec votre sagesse intérieure. Vous vous sentez plus grand, plus confiant, plus déterminé. Vous savez maintenant œuvrer avec votre intelligence. Cette intelligence est votre plus profond respect. Respect de vous, respect des autres. Prenez une grande inspiration. Vous observez toujours votre enveloppe de lumière autour de vous qui pétille, pétille, pétille d'une joie. Marchez un petit peu, plus calme désormais, après cette montée de sève, cette montée d'action, d'effervescence. Il faut laisser le processus se faire. Tout en marchant tranquillement, vous observez la nature. Un bel arbre fruitier se trouve sur votre chemin. Il est magnifique. Ces fruits, ce sont vos projets, vos trésors, vos réussites. Ils vous appartiennent. Au pied de l'arbre se trouve un panier. C'est comme une invitation à les cueillir. Prenez ce panier et cueillez autant de fruits que vous le souhaitez. Remplissez-vous de réussites. Ce bourgeon de réussite qui est en vous a germé, fleuri, et maintenant vous recueillez ses fruits. Ces réussites, ces accomplissements sont en totale adéquation avec votre être intérieur, votre sagesse qui sait exactement vers quoi vous devez aller pour exploiter au mieux au potentiel. Ces fruits sont appétissants, vous pouvez même en goûter un ou deux. Ils vous nourrissent, ils sont doux, ils sont sucrés. Ils symbolisent l'abondance, quelle que soit la définition que cela signifie pour vous. Gardez en réserve quelques fruits dans votre panier. Cela indique que vous êtes prévoyant. Cette reconnexion à votre sagesse intérieure et la récolte de ces réussites va perdurer dans le temps. Prenez une grande inspiration et continuez à marcher. Sur le tapis d'herbe de cette clairière, vous remarquez de plus en plus de feuilles. Des feuilles jaunes, des feuilles oranges, des feuilles roses, des feuilles marron.
vous observez votre panier. Quelques fruits semblent un peu gâtés. Il est temps de vous en débarrasser. Vous les rejetez dans la nature afin que le processus de compostage se fasse. Tout se recycle. En agissant ainsi, vous êtes dans la saison de l'automne, cette saison d'introspection qui permet de faire le tri, de faire le bilan et de ne garder que le meilleur. Votre panier est quand même toujours lourd de fruits, de beaux fruits, qui vont passer toute cette saison à vous nourrir. Vous pouvez observer leur couleur. Asseyez-vous un moment et vous pouvez essuyer ces fruits, les ordonner de la manière qui vous semble mieux pour vous. Éloignez ceux qui ne vous semblent pas adaptés. Déposez-les sur un tapis de feuilles. La nature s'en occupera de toute façon. Cette méditation est bientôt terminée. Pour ancrer toutes ces richesses, toute cette sagesse, toute cette énergie d'accomplissement, de réalisation et toute cette abondance, je vous invite à prendre ce panier et à marcher dans cette clairière. Énergique, déterminée, forte. Vous sentez les muscles de votre corps qui sont bien présents et qui fonctionnent parfaitement. Chaque pas vous ramène vers l'instant présent avec ce sentiment de force, avec ce sentiment de confiance, avec ce sentiment d'estime, avec cette intelligence et avec ce plus profond respect de vous. Vous êtes la meilleure version de vous-même. Vous vous sentez suffisamment fort pour effectuer des choix. Des choix nécessaires. Des choix qui répondent à vos aspirations intérieures. Des choix qui sont sur le chemin de votre être. Vous faites un pas, vous commencez à ressentir votre corps. Un deuxième pas, vous pouvez bouger un peu vos doigts, vos orteils. Vous faites un troisième pas, vous pouvez vous étirer. Un quatrième pas, commencez à ouvrir les yeux, observez la pièce où vous vous situez, tranquillement.
Vous êtes maintenant parfaitement réveillé, totalement conscient, totalement présent et totalement prêt à continuer les activités de votre journée avec plein d'énergie et avec une sagesse intérieure totalement connectée à vous, à laquelle vous avez maintenant accès très facilement. Je vous souhaite profondément de vivre la vie qui vous correspond le mieux. Je vous remercie d'avoir suivi cette méditation. Si vous avez apprécié, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne où vous retrouverez d'autres méditations. Si vous voulez aller plus loin, je propose également des méditations inédites. Vous retrouverez le lien dans la description. Je vous souhaite une très belle journée en totale connexion avec votre sagesse intérieure et votre discernement. Prenez soin de vous, tous les jours, à chaque instant.